Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors, ça y est, nous sommes de retour, les vacances sont terminées, donc il est temps de se remettre au travail. Et puis, j'en profite déjà pour tous vous saluer, c'est bon de vous revoir. Oui, vous tous, même toi, mon petit abonné hater qui me met un pouce rouge aussitôt la vidéo sortie, même toi, je te salue, je t'ai remarqué. Et voilà, donc ça fait plaisir de vous revoir. Et puis, comme on était en vacances dans le Languedoc, dans le sud de la France, pas très loin de Montpellier, je voulais vous présenter un produit que j'ai découvert là-bas et qui a été un vrai coup de cœur. Alors, il s'agit d'un gin distillé par cette maison, la Grappe de Montpellier. Un gin que j'ai découvert au restaurant La Marette à Port-Camargue, enfin le Gros du Roi, pour ceux qui connaissent. Et voilà, ça a été un vrai coup de cœur. Alors, je voulais vous présenter cette maison, cette cuvée, ce gin, pour partager, je pense, le plus beau coup de cœur de mes vacances. Alors, la maison La Grappe de Montpellier, c'est une distillerie qui a été créée en 1928 à Férolles, donc vraiment juste à côté de Montpellier, et qui est spécialisée dans la distillation de moût de raisin, des mares du Languedoc, des fines, ce genre d'eau de vie, beaucoup, surtout des eaux de vie blanches. Et voilà, depuis peu, ils se sont mis à faire du gin, donc contrairement à un gin classique, ça ne va pas être un gin élaboré à partir d'eau de vie de grain, comme c'est souvent le cas par exemple sur les London Dry Gin ou ce genre de choses, mais à partir de mares de raisin qu'ils ont distillé et auxquelles ils ont ajouté les aromates qui sont composés notamment de lavande, de bouquets de garrigue, d'écorce d'orange et d'autres joyeusetés, de thym également si ma mémoire est bonne, de feuilles d'olivier, de pas mal de petits aromates qui vont donner toute la complexité et les parfums de ce superbe gin. Alors, on est vraiment sur un nez très frais, comme vous voyez on est sur une eau de vie blanche, donc pas de vieillissement en fût. Et là, ce côté très frais, très expressif, moi c'est un gin que je trouve presque dommage de diluer avec du tonic pour faire des gin tonic, puisqu'il s'apprécie vraiment pur. C'est là où il va vraiment développer son plein potentiel. En plus, je viens de finir de manger, ça fait vraiment un super digestif. On sent vraiment ce côté très lavande, écorce de pamplemousse, un petit peu citronné. Il y a un côté vraiment très frais. Il fait que 40 degrés d'alcool, donc c'est pas brûlant, ça se boit vraiment très bien, c'est très digeste. C'est vraiment un superbe produit. Le nez est d'une complexité incroyable pour un gin de ce prix. Oui, parce que je n'ai pas encore parlé du prix. On est sur un gin qui coûte entre 30 et 40 euros la bouteille en fonction des revendeurs. Et à ce prix-là, c'est vraiment une qualité incroyable. Bien meilleure que, à mon sens en tout cas, que certaines maisons anglaises assez connues sur le même segment de prix. Là, on est vraiment sur un produit beaucoup plus artisanal et c'est vraiment super bien fait. Voilà, il y a ce côté vraiment l'amande douce, l'amande amère aussi qui ressort beaucoup. Un côté un petit peu huileux en bouche au toucher. C'est quelque chose de très velouté, très soyeux et vraiment ça s'apprécie comme tel. Pas besoin de mettre du tonique. Après, peut-être s'il y a des mixologues parmi vous qui ont l'habitude de travailler ce gin, je suis ouvert et si vous pouvez m'envoyer des idées de cocktails ou de recettes de gin tonique spécifiques avec ce gin, ça peut être très bien, mais moi j'ai vraiment trouvé que pur c'est là où j'en profitais le mieux. Donc il peut se boire pur tout seul à l'apéritif. Après, moi je le verrais aussi bien sur une fin de, par exemple, un ananas rôti au thym et au laurier,
avec un petit peu de jus de citron à la cuisson, avec ce gin, ça pourrait être vraiment un très bel accord. Ouais, non, c'est vraiment très gourmand. Il y a un côté très doucereux en bouche, ce n'est pas du tout sucré, mais un côté voilà assez doux qui fait qu'on y revient très facilement. Et là, vous voyez, on est en pleine canicule. Il fait assez chaud, il fait 31 degrés dehors, le vin, enfin le gin, pardon, est servi à température ambiante, donc à la maison il fait 22-23 degrés, et ça se boit très bien, il n'y a pas nécessairement besoin de le rafraîchir. Si jamais vous voulez le boire frais, je vous conseillerais pas de le diluer, mais dans ce cas de garder la bouteille au frigo, ou au moins votre verre au congélateur avant le service, mais ne pas mettre de glaçons là-dedans, parce que ça risque vraiment, ça va réduire en fait le degré alcoolique et vous allez moins percevoir les arômes, ça va anesthésier le goût en fait. Voilà une vidéo de reprise assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver sur Instagram, Nectar et Moustache, vous abonner, liker, commenter. Pour toi, mon hater, n'oublie pas de mettre mon petit pouce rouge, hein. Pour les autres, contentez-vous de mettre un pouce bleu, ça suffira. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la vôtre !